Je ferme ma fenêtre parce que. Ah bah oui, il est vu. Ça va Aurélien? Ça va. Toujours? Oui, ça va. Ouais, on la pêche. Alors, on va parler. Pourquoi je prends mon cahier? Voilà. On va voir. Oh pardon. Oh désolé. Ouais, c'est contagieux le bâillement. Ouais, je suis claqué là. Je suis debout depuis 6 heures, même avant. Oh oui, large avant. Je me suis levé à 5h30. Tout ça pour aller à la salle en plus. Qu'est-ce que je veux dire? Quel moyen on a pour communiquer avec les autres usagers? Le klaxon. Ouais, le klaxon, l'avertisseur sonore. Dans quel cas on s'en sert, tiens, du klaxon? S'il y a un danger. Un danger? Ouais. En agglomération, on s'en sert uniquement en cas de danger immédiat. Par contre, en agglomération, tu peux t'en servir avant un virage ou autre. Bon, on s'en sert quand c'est utile quand même. Pourquoi en cas de danger immédiat uniquement? Parce qu'on est en ville et il y a de la pollution sonore, je pense. Ouais, c'est bien, ouais, c'est ça. Chiant. Et surtout, tu connais l'histoire Pierre et le loup? Ah oui, celui qui crie trop au loup. Ouais. Et bah après, on n'y croit plus. Ouais. Et en fait, moi, souvent, j'ai des potes qui me croisent, qui me disent « Ah, je t'ai vu la dernière fois en ville, je t'ai klaxonné. » Mais je dis « Mon pauvre, j'entends klaxonner 40 fois par jour. Je fais même plus attention. » Bah ouais. Quoi d'autre comme moyen de communication? Les feux. Ouais, les appels lumineux. Donc avant une intersection, un virage dangereux de nuit, les gens ils s'en servent souvent sur la route pour dire quoi? D'enlever leur plein phare. Ah oui, effectivement, s'il y a quelqu'un qui est en plein phare, ouais. On fait des appels lumineux. Surtout, on dit pas, ben, je vois pas, tiens, moi aussi je vais te coller les miens, ouais, parce non. Que deux à pas voir, ouais, le seul risque c'est de se percuter. On fait un appel lumineux et puis bon, et puis on espère que l'autre il retire ses pleins phares. Mm-hmm. Mais les gens, ils s'en servent surtout pour dire quoi, des pleins phares? Pour dire qu'il y a les... Flics. Ouais. Les policiers. Ouais, bon, tu peux dire flics. Hein. Je ne t'avais pas choqué mes petites oreilles, mes pauvres petites oreilles prudes. Oui, pour dire qu'il y a les flics. Pourquoi faut pas le faire, tiens, dire qu'il y a les flics? Bah parce que souvent, ils sont cachés, c'est pas pour rien. C'est pour prévenir les dangers. Ouais, en fait déjà ce qu'il faut savoir c'est que les flics quand ils font des contrôles de vitesse ils cherchent pas à gauler celui qui est 5-10 km en voiture, ils cherchent à gauler celui qui est vraiment au-dessus. Quand ils font des contrôles d'alcoolémie, bah, je te dis que vaut mieux que ce soit eux qui le gaulent que le platane d'après, hein. Ouais. Mais surtout ils sont pas là que pour faire des contrôles de routine, des fois ils font un barrage parce que t'as un taré qui a mis une gamine dans son coffre. Ah. Et toi ah, t'es oui. En train de lui dire surtout tu vas pas par là. Ah oui, bah oui. Et il va passer, il va dire merci. Alors, ouais. Ok, j'ai capté. C'est pas ouf. Quoi d'autre comme moyen de communication? Bah, les yeux, enfin, on peut se voir. Ouais, on peut se voir. Maintenant, on ne te regarde pas dans le blanc des yeux. Donc... Bah, moi, quand ils m'ont dit qu'il fallait regarder les yeux des gens pour voir où est-ce qu'ils allaient. Hein. Ouais, alors je trouve ça toujours bizarre. Ouais, t'en as, ils disent de regarder les roues aussi. Ouais. Je trouve qu'il y a beaucoup d'éléments qui peuvent rentrer en ligne de compte. Mais alors, regarder les yeux. Ouais, c'est un peu. Moi, perso, je ne l'ai jamais fait. Hein. C'est pas les mains, les gestes. Ouais, les gestes. Les gestes de sympathie. Non, mais faire signe aux gens d'y aller ou autre. Ouais. Quoi d'autre? Un truc dont on sert tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Pour c'est... dire, je sais pas, je vais là. Ah, les clignotants. Ah, ouais, okay, ouais. Oui. En moyen de communication, on peut pas faire mieux. Ouais, bah ouais. Il y a les feux de détresse aussi, pour positionner notre véhicule ouais. Quand il est en panne, à proximité de la chaussée ou sur la chaussée, quand on est le dernier d'une file de véhicules à l'arrêt. Maintenant, une fois qu'on est arrêté, bah, on l'enlève. C'est pas la peine de laisser la guirlande. Une fois qu'il y a quelqu'un derrière nous, c'est pas la peine de lui laisser la guirlande dans la poire. Qu'est-ce que ça veut dire quand je mets le clignotant comme ça en roulant? Bah que je vais m'arrêter. Ah, en roulant? Bah que je vais tourner. Ouais. Bah que je tourne aussi du coup. Mais à gauche. Ouais. Quoi? Ouais, si, si, c'est pas mal. En fait, je vais te dire oui, mais pas vraiment. Plus précisément, ça veut dire attention, moi je peux y aller à droite et je vais y aller à droite. Attention, parce que moi je peux y aller à gauche et je vais y aller à gauche.
Mais avant de dire qu'on peut y aller, il faut peut-être en être. Sûr ? Ouais, pour ça, on va s'assurer de quoi ? Bah, que c'est possible. Ouais. Qu'on a le droit. Oui. Bah. Ouais, 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 c'est intéressant. Vas-y, vas-y, continue. Bah, que... On va la voir, on va la voir. Ou pas. Bah, qu'on, oui, bah, qu'on a le droit d'y aller. Ouais. On va imaginer que ça, c'est notre voiture. Mm-hmm. D'accord ? Rétro. Rétro intérieur, rétro extérieur. On va s'assurer que personne arrive derrière. Ne nous dépasse. Ouais, tu vois, on l'a eu. Ouh. Toute seule en plus. Je suis impressionnée. Voilà. Bon, on continue avec ma voiture pourrie. Mm-hmm. Ok. Ça, c'est le rétro intérieur. Il nous montre cette partie-là. Dans le rétro intérieur, on voit cette partie-là. Ouais, ok. On va regarder dans le rétro intérieur. On voit la voiture blanche qui est en train de partir. On voit la camionnette blanche qui est garée au long. On voit la voiture noire. On voit les poubelles à droite. On voit les maisons. On voit les poteaux. Mm-hmm. Tout ce qu'on voit, on le voit. Et on le comprend relativement bien. Même l'escalier gris, les deux portes rouges, la voiture qui arrive. Tout ça, tu le vois et tu le comprends tout de suite. Mm-hmm. On est d'accord ? Ah oui, ok. Oui, je l'ai. Il est mal réglé ? Non ? Non, il est bien réglé, je voyais juste pas l'escalier gris parce qu'il est vraiment gris. Ah oui, il est au loin, oui. De chez au loin. Ok, oui, si c'est bon, je le vois. Ok. Tout ça pour dire quoi ? Bah que les rétros, s'il y a quelque chose à comprendre, tu le comprendras tout de suite. S'il n'y a rien, tu peux rester le temps que tu veux dessus, bah il n'y aura rien. Ok. Ok. Le rétro de droite, il nous montre cette partie-là. Ok. Mm-hmm. Dans le rétro de droite, on s'aperçoit qu'il y a une partie qui coïncide entre le rétro intérieur et le rétro extérieur. Par exemple, tu vois la voiture noire, un petit bout. Et oui. Tu vois la poubelle jaune. Oui, je dis pas que des conneries. C'est fou. J'en dis aussi. Hein. Mais pas que. On voit la poubelle jaune, mais on en voit un peu plus. Par exemple, tu vois le portail rouge, mm-hmm. qu'on voit pas du tout dans le rétro intérieur. Moi, je le vois pas en tout Moi, cas. Moi, je le vois. Ouais, mais t'as pas le même angle. Mais on en voit un peu plus. Oui. Ok. Le rétro de gauche, c'est idem. Il y a une partie qui coïncide. Mais on en voit un peu plus. Bah, par exemple, tu dois voir la camionnette blanche. Ouais. Mais tu dois voir l'armature en métal qu'on ne voit pas du tout dans le rétro intérieur. Ok, ouais. C'est bon ça ? Ouais. Tout ça pour dire quoi ? Que le rétro, il ne ressemble plus à rien, mon schéma. Non, mais non, fous-toi c'est... de moi, fous-toi non, de non, moi. Non, c'est je vais te le faire dessiner. Moi, je comprends. Faudrait... je te charrie. Tout ça pour dire quoi ? Que les rétros, ils te servent à voir tout ça, sur tout ce qui se passe ? Simultanément ? En globalité ? En derrière. En fait, je pose des questions, il y a des débiles, ils pourraient y répondre. Ah. Donc va pas chercher des mots savants. Bah. Non, je rigole. C'est bon ? Ouais. Pardon. Du coup, j'ai lâché mon schéma, tu vois. Bah, carrément. Tu m'as fait perdre le fil. D'accord. Bon, bah voilà. Je croyais avoir un stylo qui fonctionne. C'est quoi ? Ce qui est bien, c'est que j'ai un crayon de chantier. Lui, il va fonctionner. Il te sert à voir sur tout ce qui se base derrière. Maintenant, il y a une partie qu'on ne voit pas, sur les côtés qu'on appelle. Les enveloppes. Ouais. Bah, tu as intérêt à savoir précisément où il se trouve, ouais. Pour faire en sorte qu'il n'y ait que qui reste de mort. C'est oui, glauque. Hein. Oui, ce qu'on va faire, je vais descendre de la voiture et simplement, tu me suis dans les rétros et tu me dis quand tu ne me vois plus. Ok. Oh, mais dis donc, elle en a mis du temps à descendre. Wesh. Ah oui. Ok. Ah, je te vois plus. Vas-y. Donc, t'imagines, là, je suis à quoi, un bon mètre de la voiture. Ah ouais. D'accord. T'imagines, tu mets le clignotant. Bon, je le vois, le clignotant, là. Mmh. Et j'ai peur, parce que les gens, ils font quoi ? Ils mettent le clignotant ? Quand ils vont tourner. Et ils tournent. Ouais. Et là, je me dis, ouf, t'imagines, je suis un deux roues, je suis en train de te doubler, et je me dis, ouf, la vie risque de pas être cool. Ah ouais. Première solution, je décide de t'éviter. Potentiellement, j'évite un danger pour un autre. Okay. Deuxième solution, je freine. Si la route est mouillée, je risque de glisser. Troisième solution, tu tournes. Là, c'est officiel. La vie, elle devient sévère avec moi. Ah. À moins que j'ai des collants bleus, une cape rouge. De l'autre côté.
Bah, je te vois, mais dans ton rétro de ouais, toi. Ça, c'est le mien, tricheuse. Oui, bah ouais, non, là, voilà. Oh, il faut se déboîter le cou. Hein? Déboîter le cou pour conduire. Mais non, tu vas voir. Ensuite, donc, on verra tout à l'heure que une voiture, ça disparaît tout pareil dans l'angle mort. Maintenant, on va apprendre à marcher avant d'apprendre à courir. Déjà, on va voir comment changer de direction. Aujourd'hui, c'est surtout ce qu'on va faire. Mmh. On verra les changements de voie une autre fois. Donc, si je vais à gauche, je suis ici. Ou à droite, je vais à droite. T'imagines bien que si je te dis je vais à droite, et que là tu te dis j'ai le temps. Mmh. Il faut contrôler intérieur, extérieur droite, clignotant droite. Intérieur, extérieur droite, clignotant droite. Mmh. Je freine. Je mets la 2. Je relâche l'embrayage. C'est une galère. Tu vas à droite, intérieur. Extérieur droite. Clignotant droite. On freine. On passe de la 3 en freinant vers la 2. On relâche l'embrayage. Et on tourne dans notre voie. T'imagines bien que si là, t'as pas commencé à faire les choses, ça va devenir très très compliqué. Ouais. Si je vais à gauche, intérieur, extérieur gauche, clignotant gauche, je freine, je passe de la 3 en freinant vers la 2, je freine. Et je tourne dans ma voie. C'est bon ça? Mmh. Mmh. Non, faut que je fasse lui. Je vais te montrer. Ça va être plus simple. En fait, si tu vas à gauche, tu contrôles que personne ne te dépasse par la gauche. Ouais. Donc on va contrôler intérieur, extérieur gauche, clignotant gauche. Et on va à droite. Pas les angles morts ? Que sur des changements de voie. Et plus tard sur des changements de direction, mais chaque chose en son temps. Okay. On apprend à marcher avant d'apprendre à courir. On ira à droite, intérieur, extérieur droite, clignotant droite. Je te montre. Je démarre déjà. Intérieur, extérieur, clignotant. J'ai même pas à m'écarter du trottoir. Je suis déjà assez écarté. Hop, je démarre tranquillement. Je mets la 2. À la prochaine, je vais à droite, intérieur, extérieur droite, clignotant droite. Je freine tranquillement. Pour le moment, on cède le passage. On ne se prend pas la tête. On vient s'arrêter à hauteur du marquage. On prend l'embrayage. On gère notre arrêt. Okay. Hop. On gère notre démarrage, on accélère, on redémarre. Donc tu regardes juste où tu vas, le reste c'est mon problème. Hop, on continue. À la prochaine, je vais à droite, intérieur, extérieur droite, clignotant droite. Je freine tranquillement, j'appuie sur l'embrayage, même à deux, je relâche l'embrayage. Okay. Si je dois m'arrêter, je rappuie sur l'embrayage et je gère mon arrêt avant sa cycliste. C'est bon? Ok. On reprend l'embrayage, on met la une. Et quand le feu passe au vert, on y va. Là en fait, ton feu il passera pas au vert avant le celui-là il soit au rouge. Là ça va pas tarder. On regarde où on va. On accélère. On met la 2. On relâche. On lâche l'accélérateur. T'es en deux. Insolente. Je te charrie. Lâche l'embrayage et à la prochaine, on va à gauche. Intérieur, extérieur gauche, clignotant gauche. Okay. On avance doucement, on freine léger et on tourne tranquillement. Ouais, super. Et on redresse. Et on accélère. On accélère, on va mettre la troisième. Hop, à la prochaine, on va à droite. Non, pas de coup de volant. Intérieur, extérieur droite, clignotant droite. Clignotant droite, on freine léger et on met la 2. Met la 2, c'est un coup d'œil. Ah ouais, on relâche l'embrayage et on appuie dessus pour s'arrêter. On remet la 1 et on repart. Tranquillement. Et on accélère. Et on met la 2. Ok.
à gauche à la prochaine. Intérieur, extérieur, gauche, clignotant gauche. Intérieur, extérieur, gauche. Mm-hmm. Là, il est à l'extérieur. Voilà, clignotant. Et on relâche l'accélérateur, pardon. Mais on va même faire demi-tour. Ok. Je te dirai c'est quelle sortie. Voilà. Tac, comme ça. Et on va prendre la sortie d'après. On va prendre celle-là. Ouais, ouais. Et on accélère. Allez, on accélère. On accélère encore. Encore, 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 encore. Et on met la 3. Voilà. On regarde loin devant, on lâche l'accélérateur. Pas trop vite. Tu speed. On lâche l'accélérateur. Et à la prochaine, on va à droite. Intérieur, extérieur, droite, clignotant droite. Là maintenant, je vais. On freine et on met la 2. On relâche l'embrayage doucement. Et on va à droite tranquillement. Dans notre voie, n'accélère pas. Et on tourne tout. Et on redresse tranquillement. Tranquille. T'es une pile, hein. Ah, tu me laisses tout? Je te montre un truc. En fait. Tu vois quoi comme voiture là dans le rétro? La voiture grise. D'accord. Tu vois pas la bleue? Non. Pourtant la bleue est. Ouais. Elle est là, hein? Bah ouais, c'est fou. Hein. Allez, vas-y, on remet la une. Et on repart. Et on met la deux. À la prochaine, on va à droite, intérieur, extérieur, droite, clignotant. Pourquoi je regarde à droite? À l'extérieur droite, il n'y aura aucune voiture qui va me doubler par la droite. Non, mais c'est pour prendre l'habitude de faire les contrôles. S'il y a un vélo ou quoi, tu vas le voir petit à petit. Lâche l'accélérateur. Ah, je suis au point mort. En fait, s'il y a un vélo, là pour le moment, il n'y a rien. Mais petit à petit, on va aller dans des situations où il y aura. Et c'est pas au moment où il y aura qu'il va falloir apprendre à faire les choses. Ok. On met la une. Mais c'est une bonne question. C'est une question intéressante. Et on avance doucement. Vas-y, considère que tu peux y aller, le reste c'est mon problème. Hop, et on met la 2. À la prochaine, on va à droite, intérieur, extérieur, droite, maintenant. Voilà. On contrôle et. Non, 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 reste en 2. On contrôle et après on n'accélère pas. On contrôle et après on indique. On accélère. Là, on va devoir se déporter pour la voiture. Donc, on se déporte plus que pour doubler un vélo. Intérieur, extérieur, gauche, clignotant. Clignotant. Et on se déporte. N'accélère pas. On va freiner. Et on ira à droite. Intérieur, extérieur, droite, clignotant droite. On freine léger. Et on prend. Et on freine tout doucement. Super. On met la une. Et on repart tout doucement. Et on redresse, on accélère et on repart. On va mettre la 3. À la prochaine, au bout, on ira à gauche, intérieur, extérieur gauche, clignotant gauche. Maintenant, on freine, on freine, on freine, on freine et on met la 2. On relâche l'embrayage. On lâche l'accélérateur. T'as envie, hein? Je suis en mode 18, quoi. Allez. Et on redresse. Tu crois qu'il fallait aller plus vite pour tourner, là? Bah, ouais. Waouh, moi, j'y vais, hein. Allez, même pas peur. Bah, j'sais pas, ça passe. Allez, on accélère. Et on met la 3. Moi, j'aurais accéléré un peu plus et j'aurais pris le temps pour mettre la 3. Ah. On va garder notre allure pour le moment. Okay. On accélère un petit peu et on freine. C'est pas grave, on prend l'embrayage. C'est pas mal. Un peu brusque, mais on remet les... on se met au point mort. Voilà, et tu peux lâcher les pédales. Là, en fait, quand le feu il vient juste de passer, tu te fies au feu des piétons. Là. Ouais. Quand ce feu il passe au rouge, là, tu te prépares à démarrer. Okay. Ça va pas trop cramer? Non, ça va. Il reste une petite demi-heure. Et je continue tout droit après? Ouais. Généralement, je te le dis, hein, vous tournez. Ouais, mais t'écoutes qu'à moitié, alors tu peux mettre la une. Je charrie. Hein.
Allez, on repart tranquillement et on met la deuxième. Voilà, super. Et on accélère tranquillement. Et on met la 3. On lâche l'accélérateur. Et à la prochaine, on ira à droite. Pardon. Intérieur, extérieur, clignotant. Clignotant droite. On freine. On met la 2. On relâche doucement l'embrayage. On garde le frein. On garde le frein et on gère notre arrêt au céder le passage. C'était un peu tôt l'embrayage. Avec du frein, ce serait mieux. Et on met la 1. Et on repart à droite. Elle veut toujours speeder. Oui. Elle dit, oh ouais, non mais on va pas ralentir maintenant. On met la 2. T'inquiète, on ira vite au moment où il faudra. On accélère. Allez, encore, 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 encore. Et on met la 3. Et on freine tranquille. Et on gère notre arrêt au feu en mettant la 2. La 2, la 2. Bah maintenant. Bah je prends le 2. Mets la 2, mets la 2. Et on relâche. Ah oui, d'accord. On freine léger et on reprend. Et on s'arrête avant le sas cycliste. Maintenant, voilà. Il était beau cet arrêt. Ouais. Check. Ça me va, moi. On remet la 1. Il dure pas longtemps celui-là au vert, au rouge. Ouais, non. Il manquait un petit bout. Allez, vas-y. Et on met la 2. Surtout que elle relâche l'embrayage, elle lâche le frein, bam, elle accélère. Cool, relâche l'embrayage, passe le dos d'elle et après elle accélère tranquillement. D'accord. Allez, encore, 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 encore. Et on met la 3. On va freiner. Avant le dos d'âne, on va mettre la 2. On relâche tout doucement. Et on n'accélère pas. T'as vu que c'est plus cool là ce que tu viens de faire? Oh mais c'était vraiment très long. Non, c'est plus propre. Okay. C'est propre. On accélère. On accélère, on accélère, on accélère. Et on met la 3. On freine doucement. On freine encore et on met la 2. On relâche l'embrayage doucement. Voilà. Un petit peu plus sec et on repart. Et on accélère tranquillement. On va s'écarter doucement. Voilà. Et à la prochaine, on ira à droite. Le contrôle, on indique. On freine, on met la 2 tranquillement en freinant et on relâche doucement l'embrayage en freinant. Et il va falloir tourner là. On freine encore, t'arrives trop vite. Ah ouais? Ah bah grave. Wow, je suis arrivé à 18. Ça passe. Je suis arrivé à 18. Plus cool, plus cool. Même, je te jure que même le jour du permis, il faut être plus cool ah que ouais ça. Non, mais le jour du permis, je serai genre. Ouais, ouais, mais... non, mais c'est pas genre. On va apprendre dès maintenant à être bien. Que... Reste à droite. Hop, tranquille. Et on accélère tranquillement. On lâche l'accélérateur et on tourne tranquillement. Disons que la vitesse à laquelle tu arrives, bah là il n'y a personne, ça va. Mais s'il y a quelqu'un, ça va devenir un peu plus compliqué. Bah pour toi, parce que moi je vais réussir à le gérer, mais toi ça va être panique à bord. On accélère tranquillement. Et on va lâcher l'accélérateur. On reste à droite, encore.
et on s'écarte tranquillement. On accélère tranquillement, on lâche l'accélérateur. L'embrayage. Ah mais je dois pas m'arrêter là? Ah oui, ouais, c'est un giratoire ici. Vas-y, on repart. Tranquillement. Ah non, mais c'est un truc de... en pente. Ouais, tu vois, t'as réussi. Elle a passé plus de temps à se plaindre. Et je on va par là. Ouais. Allez, on accélère. Et on met la deuxième. Encore. Ah, mais la route a pu là. Ah, allez, on accélère. Et on met la 3. Oui, la route est pourrie. Bah, ouais. On lâche l'accélérateur. Hop, on se cramponne pas au volant. On freine. On met la 2. Et on s'arrête. On remet la 1. Et on repart. C'est dommage, la poste ils fournissent pas de gants à leur personnel en scooter. Ah ouais, d'accord. On met la 2. Ouais, puis c'est obligatoire en 2. Ah ouais, ouais. Ouais. Bah... ouais, je suis sûr qu'ils en fournissent. Ah on ira à gauche. Ouais, ça m'étonnerait que la poste ils fournissent pas des gants. Ah bon. On va freiner doucement et gérer notre arrêt stop à la ligne. Trop vite et du coup on freine tout à la fin. Ouais, tu vois, c'est moche. Allez, on met la 1 et on avance doucement. On accélère et on met la 2 et on continue. Et on va s'arrêter en tournant carrément. Voilà, ça y est, c'est plein. Ça faisait longtemps. On met la 1. Ah, on met la 1. Là, là, me tuer derrière. Et on repart. T'as le temps. Voilà. Je te jure que t'as le temps. Et on redresse. Tu vois qu'on avait le temps. Et on met la 1. Et on met la 3. Tranquille, vraiment tranquille. Tu te speed à chaque fois. Mais je sais pas comment être calme. On freine doucement et on met la deuxième. On relâche doucement. Tu vois, et tu réaccélères tout de suite alors qu'on lâche l'accélérateur. Pas obligé de tout le temps accélérer. Et hop, on réaccélère tranquille. On ira à gauche. On contrôle, on indique, on freine doucement, freine encore, un peu plus. Et voilà. Là, tu non, non. Ah, et okay. On repart. Et on va par là. Doucement. Doucement. Et on s'en va. Et on va accélérer. Ah non, je suis dans deux. Ouais, et puis j'aurais accéléré un petit peu. Voilà. On lâche l'accélérateur. On accélère tranquillement.
À la prochaine, on va à droite, intérieur, extérieur, droite, clignotant. On freine, un peu plus. Voilà. Et on va à droite. On lâche l'accélérateur. On va passer le dos d'âne. Voilà. Et on repart tranquillement. On va se déporter, on met le clignotant. Voilà, finalement, ah, je sais pas où il va. Lâche l'accélérateur. Ah, mais je fais pas des trucs comme ça. Ok. À la prochaine, on ira à droite. Dès maintenant, contrôle, on indique. On freine doucement. Freine encore, 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 encore. Voilà. On lâche le frein et on tourne tranquillement. On redresse. Et on n'accélère pas, n'accélère pas. On ira à gauche, intérieur, extérieur, gauche, clignotant. Ah non, gauche. Et on tourne dans notre voie. À la prochaine, on n'accélère pas. On ira à droite, intérieur, extérieur, droite, clignotant, droite. Donc là, je reste à 17. Ouais. Okay. On s'en fout de l'allure à laquelle on est. On regarde où on va. Elle est focus sur le compteur. C'est pas important, ça. Si. Ce qui est important, c'est d'être à sa place et d'y être correctement. Oui. Après, petit à petit, une fois qu'on marche bien, on va courir correctement. Mais si on marche jamais bien, courir, on ne fera pas correctement. Oui. On ira à gauche, intérieur, extérieur, clignotant. On va freiner, rester à sa place. Maintenant. On ira quand on est à notre place. Plus maintenant, mais on ira à droite. J'ai crié victoire trop tôt. À droite, clignotant. On va freiner. Tourner. Et à la prochaine, on va à gauche. Clignotant. On freine. Prends l'embrayage. Et arrête-toi. Mets la une. Et on repart. On accélère. On lâche l'accélérateur. On freine un peu. Voilà. C'est pas la ligne, voilà. C'est pas la ligne. On relâche, on freine, non, freine, là. Et après, mets la 2. On relâche. Donc j'ai mis la 3 pour rien là. Ouais, non, pour la mettre. Et je vais où? On va tout droit, du coup, on met pas de clignotant, on n'accélère pas. Clignotant, et on gère notre sortie, tranquillement. Voilà, encore, et on accélère. On accélère, on accélère, on accélère, on accélère. Et on met la 3. Et on va faire demi-tour. Au freine, freine, ah non, freine, ah non. Freine. Léger, léger. Ah mais... Et on met la 2. On relâche l'embrayage. Ouais. On accélère après. D'accord. Là, tu fais tout en même temps. Tranquille. Là, j'accélère pas, je suis rien. Léger, comme ça. Pas besoin de faire plus.
en panne. On va rester à droite, lâcher l'accélérateur et prendre la sortie. Alors, ouais, c'est ça. On lâche l'accélérateur, on freine doucement, voilà, et on tourne dans notre voie. Voilà, super. Et on redresse sans accélérer. Et on va s'arrêter au stop en prenant l'embrayage. Voilà, et on freine tout doucement. On met la première. Et je laisse le. Et on va à droite. Okay. Et je peux pas enlever le clignotant ? C'est mien. Ah mince. Donc lui, tu peux pas l'enlever. Ok. On avance doucement et puis on va se garer tranquillement. On va se garer en face là, dans les places. Ouais, tout droit. Ouais. Hein ? Ouais, bah comme ça là, non ? Ouais, là. Okay. Prends l'embrayage et on s'arrête en douceur. Ah, oh, je suis peut-être loin là. Hein? Non, t'es bien. Ah ouais? Ouais, ouais. Okay. Point mort, frein. Tu mets d'abord le point mort ou le point mort? Il faut mettre les deux, donc. Ok. Je te dirais que lequel, par lequel tu commences, ça n'a pas grande importance. Dans l'absolu, c'est pas mal. Bon, t'es speed, mais ouais, t'es speed dans la vie de tous les jours, donc. Cherche pas, on conduit tel qu'on est. Ok. D'accord? Juste, on va prendre le temps pour décomposer un peu plus les choses. Souvent, quand tu rétrogrades, tu es là, tac, je rétrograde et tac, je réaccélère. On rétrograde, c'est pour ralentir. Fini de ralentir et après, si besoin, on accélère tranquillement. Mais c'est pas je rétrograde et tac, je réaccélère dans la foulée, tac, ça fait des à-coups, c'est pas super agréable. Pose un peu plus les choses. Si je te dis de freiner, franchement, c'est pour toi. Okay. Te dis pas, il faut que je speed, faut pas que j'ai peur d'avancer. Ça va être plus, ça va engendrer plus de problématiques que l'inverse. Ouais. Bon, l'inverse, on engendre pas mal quand même. Maintenant, tu te débrouilles bien. Dans l'absolu, tu te débrouilles très bien. T'inquiète pas, on ira dans des situations un peu plus vives petit à petit. Mm-hmm. Le but, c'est pas de chercher à faire vite, c'est vraiment de chercher à faire bien. Okay. La vitesse, elle viendra qu'avec l'aisance. La prochaine fois, on se travaillera les demi-tours. Tu vas voir, ça va être un moment merveilleux. Ok, lourd. Hein? Ok, j'y crois. Ouais, ou pas. Pas trop sûr. Bon, allez, check.